What up tout le monde, c'est Thunders. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo. Donc, c'était tout simplement parce que j'étais parti en voyage. Je vous en avais parlé un peu dans la vidéo Call of Duty. Dans la vidéo Call of Duty, je vous avais parlé que j'allais peut-être partir en voyage pour 3 semaines. Donc, du coup, ça s'est confirmé un peu en retard. Donc, j'ai pas eu le temps de vous en parler. Mais bon. Ça, je suis parti en voyage pour 3 semaines. Je suis parti le 23 décembre. Je suis revenu le 13 janvier. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont passées sur Dofus. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo. Donc, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Le premier, ben, c'est mon Hub 200, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai Hub 200 tout de suite en revenant de voyage. Donc, juste avant de partir, j'avais réussi à monter ça à 92%. Puis après ça, pour revenir, revenir de voyage, il manquait plus que 8% à faire. Ça s'est fait assez rapidement, là, vu qu'il y a eu un almanach qui doublait l'XP en zone Tengu. Donc j'en ai profité pour farmer ça, puis ça m'a fait up 200. Une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Donc j'ai changé de stuff pour mon CRA, donc mon mode multi, j'ai laissé faire ça. Tout simplement parce que... J'avoue que ça gérait, j'aimais quand même ça, mais je me suis tanné un peu de mon mode. J'ai plus préféré aller vers un mono-élément, puis du coup, je me suis fixé sur du intelligence, donc l'élément intelligence. Je vais juste mettre mon bon stuff. Donc, full Intel, donc j'arrive proche des 1000 en Intel, avec, je vais vous montrer le stuff tout de suite. Donc, j'ai une panopagreffe, donc pour le Rock Squirtic, je pense que c'est vraiment l'une des meilleures panoplies pour l'élément feu. Si vous voulez aller chercher du gros rocks, mais bon, le seul déficit, c'est vraiment la vitalité. C'est une panoplie qui donne pas beaucoup de vitalité, donc si vous êtes full élément, vous aurez pas énormément de vitalité. Vous allez peut-être toucher les 3000 en vita, si vous n'avez pas de pare-chaud. Donc, moi je suis par chaud vita, puis j'en ai profité pour la montée, la vitalité. Alors, je vais afficher les stats juste à côté. Donc, j'ai 750 de vitalité de base, puis mon stuff me donne 1600. Vous voyez, c'est pas énorme 1600. Normalement, les stuffs autour des 199-200 donnent autour des 2000-2500 de bonus en vitalité. Donc, cette panoplie-là, elle ne donne pas beaucoup. Donc, ce qui me fait que j'ai un mode 1,5 sur tous mes sorts. Même mon cac. Donc je vais vous montrer un peu les jets là. Je vais pas les énumérer. Je prends une petite noob callist. Donc une petite bague éternelle qui rocks beaucoup. énormément. Je vais vous montrer le rocks tout de suite après. Ou push. Donc j'étais allé chercher des jets over vita. J'ai essayé dans le fond. Avec des jets parfaits coup critique. Donc ça c'est vraiment important si vous voulez obtenir votre mode 1,5 coup critique surtout. Sans de turquoise, donc je suis en précisé. Donc c'est vraiment important de prendre des jets parfaits coups critiques, sinon vous n'aurez pas les 45 coups critiques qu'il faut. Puis j'ai essayé de prendre des jets parfaits en dommages élémentaires ainsi que des dommages coups critiques. Je pense que je les ai vraiment tous jets parfaits. Pour le mode 12 PA, donc j'ai pris. Il vous faut absolument un exo PA pour le mode 12 PA, pour ce stuff-ci ainsi qu'un ocre. Donc j'ai pris sur la ceinture anime. Qui est jet parfait carrément, donc c'est vraiment un très très bon jet. J'hésitais à le prendre sur le Kralano ou sur la ceinture anium, mais bon, la ceinture anium était beaucoup moins chère pour l'exo, puis le jet était quand même assez bon. Sinon, pour je pense, pour obtenir le 45 coups critiques, il vous faut absolument une ceinture 6 coups critiques, ce qui vous donne le choix entre deux ceintures, qui est la ceinture anium et la ceinture rasbouleur du rasboule. Mais bon, la seule différence entre les deux, c'est que la ceinture rasbouleur donne moins de vitalité, je pense, mais elle donne deux lignes de résistance, je crois, ce qui est quand même assez bien. Si vous êtes PVP, donc d'aller chercher une ceinture rasbouleur du rasboule, mais elle donne pas de dommages, je crois, des dommages élémentaires. Donc du coup, vu que je suis pas énormément PVP, même j'en fais juste pas, même du Colisium, j'en fais même plus, donc j'ai choisi la ceinture anime. Donc il y a un Kralano jet parfait, une amulette ottomane, d'ailleurs j'en ai ça. Et j'ai le bruit.
Sinon, j'ai la prune orchidée level 100 qui me drop la l'intel, mais bon, elle me reboost de 200 la vitalité. Et j'ai le petit bisou glour qui donne 20 en dommage fou. Donc, je vais monter les stats avancées. Putain, ça lag à cause des bots, j'aurais pas dû aller dans cette map là. Donc, vous voyez les stats que ça donne. Donc, j'obtiens 5 de portée, ce qui est quand même assez bon. Le mode 12-5 que j'avais comme mon mode multi. Les coups critiques 45, comme vous voyez. Donc, les dommages, donc j'ai 84 de dommages feu, 57 de dommages critiques. Ainsi que les résistances, j'ai quand même des bonnes résistances, honnêtement. Je ne m'attendais pas à avoir des résistances comme ça. Sûr qu'il y a une dragonnette d'émeraude, une dragonnette d'armure, ça améliorerait encore plus les résistances. Mais bon, je suis pas PVP, je m'en fous un peu. So, voilà pour les caractéristiques. Donc, pour les sorts, je vais vite montrer les sorts que j'ai montés. Donc, là, je tiens à préciser, j'ai acheté 30 par chaud de sorts pour monter les sorts, parce qu'il m'en manquait quelques-uns. Donc, j'ai flèche dissipée niveau 6, flèche magique niveau 6, flèche d'orcule niveau 6, maîtrise niveau 6. J'en ai profité pour monter la flamiche aussi, vu qu'il me restait quelques points de sort à dépenser. La flèche glacée, ouais, j'ai pas monté, il manque des points de sort. Œil de taupe 6, tir puissant 6, flèche 56, persécutrice 6, harcelant 4. Explosif 6, maîtrise 6 et invocation du doppelcroc niveau 6 ainsi que l'absorbante, pardon, j'avais oublié, niveau 6. Donc je vais aller vous montrer vite au pooch qu'est-ce que ça a de l'air. Non, pas Frigus, pas Frigus s'il vous plaît. Je dirais ma plus grosse source de rock, c'est vraiment la baguette, honnêtement. Ça défonce des culs, man. Oh mon dieu. Ça rock juste trop. Je vais essayer d'y arriver. Putain, il y a beaucoup trop de monde ici. Donc là, je l'ai mis. J'ai mis en mode créature là. Vu que je lag toujours quand je vais dans cette map là. J'ai pas un très très bon ordinateur. Donc il rampe beaucoup quand il y a beaucoup de gens dans une map. Même ici, je pense que j'ai... Ok, alright. Okay. Je vais y aller tout simplement pour le rock baguette. Ce tour-ci, je vais peut-être faire 2-3 pooch en allant un rock à la fois. Donc, vous voyez les résistances. Donc, 21 neutres, 12 terre, 18 intel, 19 pro et 8 air. Donc, c'est quand même des bonnes résistances. Donc, maîtrise. Ouais, ben, j'ai foiré, hein. 1200 cc, ça tourne pas mal autour de ça, 1200-1300, puis après ça, ben il vaut juste 5 PA, donc ça, après ça on peut faire d'autres sorts là, qui permettent de rox énormément. Donc, hop, 1300, donc ça rox plus quand on fait des coups critiques avec la maîtrise de l'arc, maîtrise des vents. Donc je pense que le max qu'on peut atteindre c'est en 1300. 1400 peut-être avec maîtrise coup critique et les deux maîtrises en fond de coup critique. Je n'ai pas sorti coup critique. Mais bon, la baguette c'est 6. Là il veut plus ben ben. C'est 6. Je vais attendre pour mon boost. Et un autre. Oh, 1304. Ça tombe pas mal autour des deux. Donc là je vais vous montrer Rox à la persécutrice en la jumelant là, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc le mode, c'est pas un mode qui coûte énormément cher. Vous pouvez peut-être faire un mode 11-6 sans locre, vu que c'est locre, c'est l'item le plus cher de la panneau, en changeant votre dragadine pour une émeraude rousse ou une émeraude, peu importe. Donc ça vous permettrait d'atteindre le mode 11-6 si vous avez les moyens de vous acheter un exo. Sinon ça serait un mode 10-6 que je pense qui est quand même assez respectable pour ça.
Donc, ça vous fait un mode 18, je crois. Attendez, j'enlève Ocre, Exo. Ah, ben il me faut. Ah oui, j'ai même pas montré la Kakuza. Donc, j'ai la Kakuza pour le PA. Sinon, j'aurais pas le mode 12-6. Sinon, vous pouvez. 12-5, pardon. Sinon, vous pouvez changer la Kakuza pour un voile d'encre. Puis, du coup, vous tomberez en 11-5 si vous voulez le mode 11-6. Donc, changez votre dragonnet, comme je vous ai dit. Puis, j'ai le trophée voyageur pour. J'avais pas précisé les trophées, pardon. Donc, j'ai trophée voyageur, savant, astucieux et ravageur. Là, je vais vous montrer. Le Rox à persécutrice, c'est aussi un énorme Rox pour 3 PA. Putain, écoute, je suis mal placé. Allez voir, les amis. Hop, 774 en CC. Donc vous voyez, pour 6 PA, je viens environ de faire du 1500. Vous voyez à quel point c'est énorme. Puis là, je vais refaire dans le fond un rock que je fais quotidiennement. Donc je fais une baguette, tourne autour des 1300 à 1200 CC, plus une flèche enflammée qui tourne autour des 700 CC aussi. Donc ça vous fait déjà du 2000, plus une persécutrice à 700, donc du 2700 en un tour full boost. Juste le refaire en espérant avoir des critiques. Parce que ce mode là il rux beaucoup mais seulement en mode critique. Donc si vous avez pas le mode 1,5, oubliez ça, ce stuff là il va vraiment pas vous être utile. Vous allez même trouver ça dégueulasse parce que vous avez trouvé qu'il rux pas. Donc boum, 1200, 1600 et 1600. Donc 1200 plus 1200, ça fait 3000. Ça tourne autour des 3000. Je fais environ du 3000 partout. C'est quand même assez bon. Hop, 1000. Wow. Donc, vous voyez à quel point ça rote. Là, je vais faire des petites flèches magiques. C'est pas boost, mais bon, ça tourne autour des. La flèche magique rocks beaucoup moins que les autres feu. La flèche enflammée rocks pas mal proche la flèche persécutrice. Donc, si je fais du 700 CC à la persécutrice, je vais 770 pardon, à la persécutrice, je vais tourner autour des 720 à la enflammée. À la enflammée. Explosif, ça tourne le même rocks que l'enflammée. Et la flèche magique va peut-être tourner autour des 600 en coup critique. Donc, c'est pas mal le sort qui rocks le moins. Mais bon, c'est quand même assez utile niveau PVM, vu qu'il râle de la PO. À chaque tour, donc 2 PO. Puis il peut se cumuler à 2. Donc vous pouvez voler 4 PM à l'ennemi. Donc les autres sorts sont pas. Je vais vous montrer le mode agi. Donc le Rox agit. Ce sera pas long, juste attendre que le Pooch sort. Parce que je Rox quand même agi, j'ai une bonne agilité de base. Donc du coup, avec le Rox coup critique, ça c'est quand même un mode rentable, honnêtement. Si vous voulez jouer régénération, là. Si vous êtes en état critique puis il vous faut de la vie, ben vous pouvez bien vous heal en mode agi. Surtout si le mob a de la faiblesse agi, vous pouvez aller sortir du 600 coup critique, honnêtement. C'est vraiment énorme. Là. Ça rocks beaucoup. Juste attendre le pooch. On voyait là, le feu est en pack greffe. Donc c'est vraiment une bonne panne de plis feu. Honnêtement. Honnêtement, j'ai rien à dire sur ce stuff-là. Puis c'est un stuff qui m'a été proposé par Joe Pro, mon ancien co-teamer. Mais bon, ça avait fait une petite team, là. Il n'y a rien du tout. D'ailleurs, le Yup, mon Yup, je l'ai arrêté. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais peut-être pas prendre un 100. Ouais, je vais prendre un 100 pour vous montrer en fin de tout ça après. Donc, mon Yup, je l'ai arrêté. Pour les raisons que je voulais dans le fond aller sur un mono-élément sur mon cas. Donc du coup j'ai dû vendre le stuff à mon yop pour avoir des camos. Et puis j'ai voulu avoir le stuff. Ça tourne autour des 500. Ça va pas cesser. Je sais pas ce qui arrive. 475.
128 en CPU, 450 en CPU, mais c'est des 800 là, partout. C'est bon, là. Quand même bon, là. Vous voyez, quand vous n'êtes pas boost et que vous ne faites pas des coups critiques, ça rush pas. C'est un des défauts de la panoplie. J'ai arrangé mon micro, je pense qu'il n'est pas venu pour ça. Là, je vais vous montrer l'explosif que je ne l'ai pas montré. Vous voyez, ça tourne autour de 650. Bon, autour des 700, c'est quand même un sort qui est un peu aléatoire, mais non pas énormément. 740. Vous voyez, comme je vous ai dit, ça tourne pas mal autour du même rock que la persécutrice en coup critique, quand on fait des coups critiques au niveau des autres sorts en feu. Ça va être un mode que j'aime bien. Vous pouvez mixer les sorts sans vous mettre un peu pareil. Que j'aime. C'est un peu pour ça que ben, je la garde. Sinon, vu que j'ai Up 200, il y a beaucoup de panoplies de Frigostore qui s'ouvrent à moi. Je prévois refaire mon mode multi avec la panneau strigide de Frigostore qui donne énormément de puissance. Donc ça peut être rentable pour le mode multi, surtout que les crocs multi-éléments c'est assez puissant. Puis je pourrais peut-être me lancer dans le PVP avec ce stuff-là. Mais bon, je suis pas quelqu'un qui contrôle excessivement bien les classes. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup fait de PVP dans sa vie. Commencer dans le PVP, ça va être difficile pour moi. Mais bon, je ne dirais pas que je ne vais pas essayer. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Puis c'est quelque chose que j'aimerais apprendre, à maîtriser ma classe au maximum. Et puis, ben, en achetant un nouveau stuff, puis pour me lancer dans le PVP, je pense que ça serait une très très bonne idée. Mais bon, le stuff, il n'est pas donné, mettons. C'est quand même assez cher. On parle de 10 millions l'item, donc c'est quand même assez cher pour ce stuff-là. Mais je vous garantis pas que je vais le faire, mais bon, il y a des bonnes chances que je le fasse. Sinon, ça va peut-être venir d'ici un ou deux mois, ce stuff-là. Faut que je me prépare au niveau des kamas. Vous voyez, je suis pas bien parti. J'ai acheté 15 millions en pare-chaud de sort, donc ça m'a bien fait drop mes kamas. J'étais à 25 millions environ. Puis là, ben, je suis rendu qu'à 5 millions. Mais bon, je vais me refaire des kamas, ce sera pas bien long. Et puis, ben, c'est ça qui est prévu pour plus tard. Je veux pas vous annoncer plus de projets puis pas les réaliser. Donc, du coup, ben, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner puis à laisser vos commentaires qui sont constructifs pour moi et qui m'aident énormément pour faire avancer la chaîne. Merci beaucoup!